Salut les loulous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va commencer la semaine en douceur, enfin en douceur, tu vas voir, pas tant que ça. Donc là, je vais te proposer un petit exercice de mobilité, ok, une petite routine. Ça va pas être hyper évident peut-être pour toi au début, c'est pas grave, le but va pas être de bien faire ni de faire complètement. Le but pour le moment, le but de ces vidéos, c'est pas de t'apprendre à faire les mouvements, c'est juste de passer de 0 à 1, te dire « Ok, ben je vais commencer à essayer. » Et au fur et à mesure, on va améliorer tout ça. Le but, c'est de voir la chose comme un processus. On avance ensemble. Salut les loulous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Là, on va s'amuser un petit peu avec nos bras. On a l'habitude de s'amuser beaucoup avec nos jambes là sur ces vidéos, mais on va commencer à s'amuser un peu plus avec nos bras. Donc, on va se mettre dans cette position-là et le but va être de faire une esquive le plus bas possible sans toucher le corps par terre. Il n'y a que les pieds et les mains. Donc, pour ça, je vais poser ma main, dégager ma jambe à l'opposé pour essayer d'avoir un centre de gravité plutôt centré pour éviter de trop forcer, poser ma deuxième main et descendre le plus possible. Je fais ça de l'autre côté, ma jambe, ma main, et là je viens descendre le plus possible. Ce qui va vous aider à mieux faire ce mouvement, c'est de ne pas écarter les bras, mais au contraire de les resserrer. À vous de jouer. Salut les loulous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, comme hier, on va s'amuser un petit peu avec nos bras. Mais cette fois-ci, on va commencer avec cette position-là. On va poser la main ici pour laisser passer la jambe. Et à ce moment-là, je pose ma deuxième main et je viens descendre le plus possible. Ensuite, je pousse pour lever mes fesses et ramener ma jambe derrière. Ça, je vais le faire également de l'autre côté. Donc, je suis ici, je pose ma main, je passe ma jambe. Quand ma jambe est ici, bien sûr, là, il n'y a que les pieds et les mains qui vont toucher le sol. Je vais descendre le plus bas possible. Je remonte en levant mes fesses pour pouvoir amener ma jambe derrière plus facilement. À vous de jouer. Salut les loulous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre une petite transition, mais on va le diviser en deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et demain, on va faire le même mouvement, mais on va le décomposer pour mieux le faire. Comme ça, ça va nous permettre aussi de reposer un petit peu les bras. Bien sûr, si tu suis les vidéos, sinon tes bras, ça va. Donc, il faut juste tendre la jambe d'un côté, basculer pour changer. C'est-à-dire que j'ai changé d'appui, mon pied est passé de l'autre côté et ma main a basculé également de l'autre côté. Donc, si je suis ici de l'autre côté, j'ai ma main qui est ici, mon pied qui est là-bas et je vais changer. Ce pied va passer là et la main qui est en l'air va aller par terre. Touk. À faire ça plusieurs fois pour vraiment se rendre compte de l'équilibre, du changement, pour pouvoir préparer la vidéo de demain. Tout simplement, portez-vous bien. Ciao. Salut les loulous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, si tu as vu ce qu'on a fait hier, ça va aller très vite. Si tu n'as pas vu, je t'invite à regarder la vidéo d'hier. Donc, la transition qu'on a faite hier, on va la voir avec cette position-là qu'on avait vue au début de la semaine. Quand je suis ici, je me relève pour pouvoir changer. Ça va être le but de la démarche. Je viens ici, je descends, et de cette position-là, en un mouvement, il faut que j'arrive à terminer avec cette position. Donc ici, je descends, ça on l'a vu en début de semaine. Quand je remonte, je fais ma transition, et ça on l'a vu hier. Ok? Et on va s'amuser avec ça. Excellente journée les loulous. Ciao! Salut les loulous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc comme on a travaillé un petit peu les bras là toute la semaine, on va laisser les bras au repos et on va se concentrer sur les jambes. Donc le but est de partir de cette position là, de se lever, de monter sur un pied, les bras écartés, et d'aller devant, côté, derrière. Peu importe la hauteur, c'est juste de travailler sur ces trois directions-là. On revient ici, on remonte,
devant, côté, derrière. Si vous avez du mal à descendre ici dans cette position-là, descendez sur la pointe du pied, aucun souci. Le but après va être de se relever, devant, côté, derrière, de descendre, de marquer une petite pause, devant, côté, derrière. C'est parti les loulous. Et n'oubliez pas, demain sur YouTube, il y a toute la compile de la semaine.